Learn French with Easy and Simple Short Story. Here's a little tip. As a beginner in French, you may not understand every sentence in this story. If this happens, don't be discouraged at all. Try understanding the meaning of the sentences using the words that you already know. You don't have to understand every word written in the sentence. Good luck. Un sauvetage sur la plage. Il était une fois un garçon courageux nommé Lucas. Aujourd'hui, il est déterminé à profiter au maximum de sa journée à la plage avec sa famille. Dès le matin, Lucas se lève tôt, impatient de commencer cette aventure. Après un petit déjeuner rapide, la famille de Lucas se prépare et se rend à la plage. Ils apportent un grand parasol, des chaises de plage, des jouets et un panier rempli de délicieuses collations pour un pique-nique. Arrivé à la plage, Lucas court vers l'eau avec enthousiasme. Il saute par-dessus les vagues, construit des châteaux de sable et joue au frisbee avec son père. Sa mère se détend sous le parasol, lisant un livre tout en gardant un œil sur eux. Après avoir travaillé sur son château de sable pendant un certain temps, Lucas décide de se baigner. Il plonge dans l'eau fraîche et se laisse flotter, profitant du soleil sur son visage et de la sensation de liberté que lui procure la mer. Après s'être bien amusé dans l'eau, Lucas retourne sur la plage pour rejoindre sa famille. Ils étendent une grande couverture et déballent le pique-nique. Ils savourent des sandwichs frais, des fruits juteux et des biscuits faits maison, tout en discutant joyeusement. Après le repas, Lucas décide d'explorer les environs. Il se promène le long de la plage, ramassant des coquillages et observant les oiseaux marins qui survolent l'eau. Il se sent en paix, entouré par la beauté naturelle qui l'entoure. Cependant, alors qu'il se promène le long de la plage, Lucas est soudainement surpris par une grosse vague qui le frappe et le tire sous l'eau. Il se débat, essayant de remonter à la surface, mais la force de la mer est trop grande. Ses parents le cherchent avec anxiété sur la plage, mais ne peuvent pas le voir. Ils entendent ses cris à l'aide et se précipitent vers l'eau, mais ils sont incapables de l'atteindre. Heureusement, un dauphin vigilant aperçoit Lucas en difficulté. «
Il nage vers lui et le guide doucement vers la surface. Lucas s'accroche au dos du dauphin, reconnaissant pour cette aide providentielle. Ensemble, le dauphin et Lucas nagent vers le rivage, évitant les vagues tumultueuses. Une fois sur la plage, Lucas retrouve sa famille, qui le serre dans ses bras avec soulagement et gratitude. Il remercie le dauphin pour avoir sauvé leur fils. C'est ainsi que se termine cette journée inoubliable à la plage pour Lucas, remplie d'aventures, de moments de bonheur et de gratitude envers la nature et le dauphin qui l'a sauvé. Quel mot décrit le mieux Lucas dans l'histoire ? Qu'est-ce que la famille de Lucas a apporté à la plage pour leur journée d'aventure? Comment Lucas a-t-il été sauvé lorsque la vague l'a tiré sous l'eau? Le vocabulaire français. Parasol, anxiément, soulagement, précipité, château de sable, collation, déballé, apaisé, reconnaissant, inoubliable,